Lors de la prochaine rentrée, le prince George découvrira un nouvel univers au sein d'une école privée londonienne. Sans surprise, le fils de Kate et William devra porter les uniformes de l'établissement. Le prince George va devoir se faire des nouveaux copains à la rentrée prochaine. Le fils de Kate Middleton et du prince William ne sera plus scolarisé à la campagne près de la maison secondaire du couple dans le Norfolk. Comme l'a annoncé Kensington Palace sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, le petit blondinet de 3 ans intégrera dans quelques mois la Thomas London Day School à Londres. Kate et William ne devront pas seulement se préoccuper de signer les chèques des frais de scolarité, évalués à 4500 livres, soit 5200 euros, par trimestre. Le prince George devra garnir sa garde-robe de vêtements indispensables pour tous les élèves de cet établissement privé très prisé. Il y a les incontournables uniformes dont le coût, 428 euros, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Dans la liste des achats obligatoires avant le premier jour d'école, les parents du grand frère de la princesse Charlotte devront mettre la main sur une veste à capuche, un pullover, une veste de marin, un t-shirt en jersey, un bermuda de marin, une blouse pour les activités d'art plastique ou encore des chaussons de danse pour les cours de danse. Pas de traitement de faveur. Les parents des autres élèves de la Thomas London Day School ont été prévenus par mail de la prochaine arrivée du prince George. Kate et William veulent être des parents comme les autres et ne demandent aucun traitement de faveur pour leur fiston. Le duc et la duchesse ont été très clairs, ils ne veulent pas que l'arrivée du prince George change les objectifs, les valeurs ou l'éthique de Thomas, a précisé Kensington Palace dans son communiqué.